Un certain nombre de cadrans de montres à faire qui peuvent être en lapis lazuli ou en malachite. Et là, l'idée est d'arriver à faire une marqueterie chamarrée avec un linéaire. La marqueterie de pierre dure, c'est l'assemblage manuel d'un certain nombre de pierres, d'agate, de jaspe et de choses comme ça. C'est vraiment le fondement de la marqueterie, c'est d'arriver avec une seule pierre à générer des dégradés et à trouver dans la matière la façon de faire tourner les volumes. Ça se joue au dixième de millimètre parce que y a un côté exponentiel. Si on laisse trop de matière, le motif s'agrandit et on n'a plus le résultat escompté. Les gens qui viennent apprendre ici fabriquent des choses comme ça pour se faire la main et pour comprendre le cheminement de la marqueterie. Ça, à mon avis, je le jouerais bien avec une tonalité comme ça, douce. Regarde, c'est beau, t'as des ocres là qu'on peut retrouver là-dedans. Enfin, faut voir aussi la forme des motifs. Ou alors, tiens... Ouais. Ah, moi, je crois plus à des trucs comme ça. Ouais. Ce qui me plaît dans la marqueterie, en fin de compte, c'est la possibilité de la faire fonctionner à des échelles différentes. Et une de mes marottes aussi, c'est de fabriquer des objets d'écriture depuis quelques années. La fabrication des stylos, en général, c'est toujours des clins d'œil ou un petit regard amusé ou amusant sur ce qui m'entoure. Je dirais que toutes ces petites réflexions font avancer l'idée de la marqueterie. Et dans des projets, je dirais, plus conséquents ou plus pointus vers le design, vers des marqueteries contemporaines, me permettent d'améliorer la technique et de réfléchir à des solutions différentes pour faire fonctionner la pierre dure à travers des objets, là dans le cas présent ludique, mais ça reste en fin de compte très, très sérieux techniquement. Depuis quelques mois, je travaille sur, en fait, je photographie des tas de choses en extérieur, c'est-à-dire, entre autres, plaques de rue, plaques d'égout. Et de là, j'aimerais qu'on travaille sur un certain nombre de panneaux et que ces panneaux, je dirais, on remette, je dirais pas forcément en jeu la marqueterie, c'est peut-être beaucoup dire, mais de l'imaginer autrement, pas forcément d'une façon conventionnelle. On regardera l'objet, on se dira pas « Oh là là, ça a dû prendre du temps ». Par rapport à une marqueterie traditionnelle où c'est facile d'accès pour tout le monde, il y a de la couleur, les motifs sont bien faits, ça ressemble à une peinture, on regarde, on fait « Oh là là, mais on dirait de la peinture ». Enfin, les réactions habituelles des gens par rapport à de la marqueterie, là, le temps, on le verra pas. Enfin, c'est, il n'y a pas un maximum de couleurs, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de reflet. Et on prend la pierre telle qu'elle est et elle est posée là, comme ça, et puis juste découpée. Moi, ce que j'en pense, c'est ça que je trouve bien.
ramener une technique du XVIIe siècle à des motifs qui correspondent à notre époque et se démarquer par rapport à toutes les copies 18e qu'on peut voir. Alors ça, c'est du Pompignan et du Buxy. J'aime bien ton sur ton comme ça, moi. Je trouve ça plutôt sympa. Donc là, de toute façon, on est sur celle-là, le joint, il sera marqué. Ouais. Je trouve ça intéressant de ne pas faire un objet en marqueterie. C'est-à-dire d'imaginer et de considérer un ensemble d'objets qui va amener à une réflexion, à une collection, à un nouveau regard. Au fur et à mesure qu'on dessine, on s'aperçoit qu'il y a une distorsion dans les formes, dans le travail. Il y a toujours une même rigueur de façonnage, ça c'est sûr, mais on fonctionne plus sur un travail d'art plastique plutôt qu'un travail d'artisanat manuel de construction. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple avec les carrés, on se retrouve dans des dimensions comme ça. L'idée aussi, c'est l'utilisation, je dirais des chutes entre guillemets, c'est-à-dire à la découpe jet d'eau. Normalement, tu leur donnes un dessin et ils te font un découpage mâle et femelle. Ce qui fait que dans chaque plaque, si tu les inverses, tu as un fond noir sur un blanc et un fond blanc sur un noir. C'est-à-dire qu'avec une forme, on en fait deux, en utilisant graphiquement toutes les ébauches de percement. Et ça, moi, l'idée me plaisait bien. Et là, on retrouve vraiment le début des prises de jet d'eau. C'est-à-dire le petit trou et l'ébauche. Et je trouve ça super intéressant. Alors c'est rigolo parce que sur celui-là, il y en a une là et une là qui fait un clin d'œil à l'autre. Tu vois, ouais, on va quand même arriver un peu à l'identifier en faisant une finition un peu. Sur celui-là, il y a peut-être eu... Non, pas plus. Sur celui-là, je pense qu'on l'a déjà ciré, mais on va pouvoir un peu le remonter encore en couleur. De toute façon, il faut plus qu'une cire. Hein, ah, ouais. Mais là, celui-là, j'avais commencé à l'hydrofuger, celui-là. Mais ça, c'est des vraies éponges. Hein. Oui, il va falloir vider un bidon. Ouais. Alors, au milieu de ça, ça m'intéresse de m'investir en couleur carrément dans du tag. Le tag est en général mural, là on le ramène à quelque chose de plat, c'est-à-dire l'épaisseur de ce plateau, dans quelle dimension on le... Moi j'en ferai pas d'épaisseur. Sur les autres ça fonctionne très bien, parce que oui c'est de la plaque d'égout, donc il y a des dénivelés, on le comprend rapidement. Là, pour avoir le dessin, faudra être vraiment au-dessus. Si on crée des dénivelés, le dessin, il sera pas lisible directement, c'est-à-dire quand on s'approche, quand on sera à 1m50, on va voir des... Ça va prendre la lumière, ouais. Ouais. Ça aura plus cette légèreté, enfin moi je pense. Okay. On peut peut-être avoir une tonalité plus sombre, le pic, la craque, le remonter dans des... Enfin, ça pourrait peut-être être intéressant par rapport au dessin. On va débiter un peu tout, dans la mesure où il y a beaucoup d'interférences avec du jaune. C'est vous, parce que le... Dans les 100 kilos de cailloux achetés, on n'a rien de la cohérence des rouges et pour ainsi dire inexistante. Ah, et là, celui-là, il fait presque un peu trop choix de beau, quoi qu'il serait presque raccord. Là. Bon, à voir. À la limite, ça, c'est pas mal. De toute façon, je recoupe le truc, parce que de toute façon, à mon avis, on est court. On y va, on descend. Ça marche pas, hein, c'est sérieux. On descend, hop, c'est bon.
C'est pour ça que j'aime bien les montres par moments. Transmettre, c'est sûr que c'est une belle envie. Je dirais au-delà de ça, c'est partager. En fin de compte, c'est plutôt rigolo. Parce que savoir des trucs et pas les communiquer, je trouve ça crétin. Et puis, bien souvent, les gens qui arrivent ici font de nouvelles propositions. C'est ce qui me plaît bien aussi. Parce que eux, tout est possible. Alors que moi, avec l'expérience, j'ai appris qu'il y avait plein de choses impossibles. Ça fonctionne bien. Hein. Fini, hein. Ah bah ouais, c'est... Quand tu pars de rien et que tu arrives à un résultat comme ça, enfin, ça a été un long processus, quoi. Donc, ouais. On a beaucoup travaillé. C'est... Quand même. Ouais. C'est vrai que là, depuis quelques années, on a travaillé avec Camille, avec cette aventure maître d'art, mais il y a tout le temps du monde à l'atelier, ou par passion, ou par envie, ou par envie d'apprendre de nouvelles choses, ou de confronter de nouvelles techniques. Puis le regard des acquis change. Et moi, je trouve que j'ai... Enfin, quand je parle plus de moi que d'eux, moi, j'ai progressé beaucoup depuis 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'atelier et qui m'ont bien souvent déplacé dans mes acquis. Et puis, je reste jeune comme ça, très jeune. Thank you.